Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, aujourd'hui c'est l'heure du départ. On quitte nos amis Achrev, enfin tout le monde, quoi, la famille assyrienne chez qui on est depuis 4 jours maintenant. 4 Oula, jours. oui, bien 4 jours. Enfin bon, bref, on va pas vous en dire plus. On vous laisse regarder la vidéo. Allez, à tout à l'heure. C'est le dernier jour où on part de Devine, je sais pas comment ça se prononce, Devine. Derin Dvin. Donc ça fait 4 jours qu'on est là en fait. Après Yerevan, on est venu ici parce que, donc, comme vous le savez, on cherche un artisan pour faire la galerie de chaman. Et travaux, ça vous verrez, voilà, différents travaux. Gros chantier. Et donc du coup on est revenu dans la famille assyrienne parce qu'ils avaient quelqu'un à nous présenter. Quelqu'un d'assez renommé, donc du coup il est venu sur notre camion, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, et il nous prend dans 15 jours. Donc on revient dans 15 jours. Ouais, on s'est dit qu'on n'allait pas rester 15 non, jours ici, non. Je pense qu'on va se poser au bord d'un lac, on va retourner au lac Sevan, enfin on ne sait pas encore trop aujourd'hui, il faut qu'on check d'ailleurs Nico. Il y a plein de choses à visiter, voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais. Donc on part, là ça y est, on va dire au revoir à Ashren et puis... on va changer de spot. Bon, c'est Sacha, ça va être dur pour lui de dire au revoir aux enfants. Ah ouais, Sacha, il a vraiment bien accroché. Il veut rester ici. Ouais, il a vraiment bien accroché avec les enfants. Il communique, franchement, toute la journée. Il parle pas la même langue, mais il communique. Ils sont pas embrouillés une seule fois. Ils ont inventé un langage. Tant mieux, ma foi. Ouais. Tant mieux. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses à faire avant d'arriver sur le spot. Faut qu'on fasse encore le plein d'essence, le plein de courses, qu'on remplisse l'eau. On n'est pas arrivé quoi. Eh oui. C'est parti. Là, c'est tout trempé là. Il y a tellement de poussière. Et c'est quoi toutes ces eaux là? C'est les évacuations des vivants. Ah ouais. En amont, et ils profitent de l'eau pour arroser les chemins. Ouais, pour ça éviter fait. La ouais, ça fait. Ça arrête la poussière quoi. Alors là, c'est vraiment poussiéreux les routes. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Ah, il y a encore de la musique là. Je sais pas ce qu'ils sont en train. Ils sont en train de danser. Ils vivent avec la musique ici. Qu'est-ce qu'ils font là? Faut jouer? Donc on est avec Ashren et Julia et elles nous ont rapporté des mûres et elles m'ont dit que celles-ci, les blanches, elles étaient bonnes pour l'asthme. C'était bon pour l'asthme. Donc je connaissais pas, elle m'a dit que c'était la blanche là. Donc voilà, donc là c'est petit café là. Petit café et après on va y aller quoi. Et elles nous disent, oh, j'ai pas envie que tu partes, tu vas nous manquer. Sacha aussi va nous manquer, elles sont trop mignonnes. Check. On s'en va, mais on revient dans 15 jours. Oui, on revient. Ciao Paul. Paul Marc. Ça va, t'es pas trop triste, Sachou? Non, je sais qu'on revient dans 15 jours. Ah, alors, ça va. Ça va. On vous aime. Love you. Oh. Ah, sympa. Ah, quelle famille, hein. Ah, ouais. C'était bien, Sachou. C'est ça qui est dur, hein, dans ce... Dis-moi qu'on rentre au camion. En fait, plus on reste avec les gens, plus on s'attache et plus c'est dur de partir, en fait. Moi, je pense que quand on arrive au camion, on a crevé une roue. Non, franchement, je suis là où maintenant. Ah, il veut qu'on crève une roue pour pouvoir rester ici, là, je te jure. Voilà, on continue. Allez, on va prendre la route. Pas plus dur, non, parce qu'on arrive quand même à se blinder. Moi, ouais, donc tu disais qu'on arrive à se blinder. Ouais, on arrive à se blinder, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de rencontres depuis qu'on est parti. Mais quand on voit les mamies, les enfants pleurer, ça pique, quoi. Ouais. Ça pique parce qu'on se dit... on leur en fait beaucoup. Ils sont encore derrière en train de regarder. En fait, on a été un petit rayon de soleil pour eux, comme ils ont dit. Bah, elle nous a envoyé un message, elle nous a dit vous êtes notre miracle. Ouais, miracle, c'est un peu. C'est peut-être le traducteur, j'en sais rien. Mais, et puis ils nous disent maintenant on a un frère et une sœur.
Ouais, enfin, un truc de français. Fou. Et j'espère que le peu qu'on a fait là par rapport à Park Fortnite, bah, ça va les aider dans la vie de tous les jours. Ouais. Franchement, voilà. J'espère aussi. On verra. Ce sera vous, les futurs voyageurs qui nous regardez, peut-être qu'on vous inspire et que vous allez être amenés à venir en Arménie. Franchement, je vous le souhaite de tout cœur de venir ici en Arménie, c'est un super pays. Ah, et si vous venez en Arménie, vous vous arrêtez ici, les gars. Je m'aurais dit, il y a quelques mois en arrière, on va en Arménie, j'aurais rigolé, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas, quoi. Mais qu'est-ce qu'on aurait loupé, ce n'était pas mieux. Exactement. Laisse tomber. Vas-y. Je remonte encore une fois pour les fils. On a pas mal de murs. Hein. Passer là, ouais. On va prendre la main là. On va y finir. Hein, une vraie funambule là, Didine, t'as vu ça sur le toit? Et il y a quelques temps, j'aurais jamais pu faire ça avec le vertige et tout. Eh ben, c'est qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Le bâton magique. Ça y est. Ciao les Assyriens. À bientôt, à dans quelques jours. S'emballer, c'est les branches à une grande vitesse. On va aller déjà à la fontaine faire le plein d'eau, la fontaine qu'on a vue hier soir avec Ashren. Il y en a pour un petit moment quand même. Ouais, bah écoute, on a le temps, hein. On va y aller. J'aurais dû descendre, commencer à faire le plein de courses, moi. Bah, le plein de courses, emballe-toi pas non plus. Oui, mais non, je m'emballe pas. Ouais, on va. Attends, je vais voir le débit là. Allez, on va voir le débit. Elle est juste ici normalement. Nickel, on est stationné à côté de la fontaine. Ça devrait faire normalement. Elle est bonne, Nico? Test qualité. Tu peux y aller, c'est de la bonne. Elle est trop bonne. Et on sort les tuyaux prévus à cet effet dans le coffre prévu à cet effet. Ça fait beaucoup d'effets. On prend le tuyau qui nécessite une arrivée d'eau avec très peu de pression. Voilà. Sortir. Tu vas t'en sortir. Voilà, nickel. On va déjà le mettre à l'intérieur. Je déroule mon gros tuyau. C'est bien, ça te permet de pas perdre la main avec les pompiers, tu vois. Ah, c'est ça, on va y aller. Oh, si j'y mets un petit collier, ça va le serrer. Mais oui, ça va y aller, Nico. Attends, je vais ouvrir avant. Quand c'est tout à côté, l'eau,
L'essence, le magasin. Le gasoil, c'est pas l'essence. Trop bien. Elle va dire l'essence à un pompiste. Et il va nous mais c'est vrai, je dis toujours l'essence, parce que c'est l'essence. Quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de poids lourds ici en essence. Donc, non, mais c'est nous, surtout que nous, on n'a jamais eu de véhicule à essence et j'ai toujours dit essence en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Tic de langage. Et on raccorde. C'est magique. T'auras même pas besoin de mettre un truc. Regarde, il est dubitatif. C'est trop facile, il va y arriver un truc. Il va y avoir une merde. C'est trop facile pour nous. J'ai éteint ma fontaine, j'ai fait une connerie, forcément quelque chose. Ça va exploser par-dessous. Oh punaise. On va mettre le petit tuyau. Ah, tu vois, c'était trop facile. Faut que tu mettes le petit tuyau cristal, peut-être. Ouais. Là, il y a plus de. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et là, on se rend compte de la poussière qu'il y a dans les rues. Il y a des nuages de poussière. Alors, je suis pas prête de guérir avec les bronches. Hein. Je sais d'où ça vient maintenant. Oh là là. Vas-y, enlève le truc, s'il te plaît. Pourquoi ça coule à côté ? V'là autre chose. Bah, v'là autre chose. Comme dirait Hervé. Oh bah voilà autre chose. Mets-toi pas la pression mon Nico. C'est pas bon là. Un petit raccord s'impose. Ah c'était trop facile hein. Barève. C'était trop facile. Barève. Elle nous demande si on est russe, mais ils nous prennent tous pour des russes ouais, en fait ici. Il y a beaucoup de russes ici en Arménie. Ouais. Et non. Non. Français. Français. Est-ce que ça y va? La dame elle est revenue me donner des abricots. Donc voilà, donc ça y est, je crois qu'on est en train d'ameuter tout le quartier, tout le monde arrive. Ils sont trop gentils. Elle me dit ouais, pourquoi es-tu ici? Que fais-tu ici? Ouais, c'est ce que. Ah ouais. Et c'est ce que je leur dis. On voyage à travers le monde et le camion c'est notre maison. Et à chaque fois ils nous regardent avec des grands yeux. Ouais, c'est normal. Hein. Bon, t'as toujours pas trouvé ton collier toi? Non, mais ça commence à m'embêter. Pour être poli. Bon bah nickel, avec le collier ça bouge plus comme ça. C'est impeccable. On va mettre du gasoil et comme on n'était pas dans le bon sens, on a dû faire demi-tour sur la route. C'est un peu la galère, c'est la mission. Bah, donc juste ici, du village, bah, je vais peut-être aller faire les courses là, donc, du coup, hein, si on s'arrête là. Voilà. Je vais regarder. C'est une petite pompe, mais ça coûte moins cher que d'habitude. Là, c'est à 590 et d'habitude, on paye 670. Ouais, alors après, c'est peut-être pas la même qualité. Hein, ouais, bon, on verra. Mais comme chaman, il mange de tout. Ouais, on verra. Bon, on avait demandé aux pompistes s'il prenait la carte bancaire avant de venir, il nous avait dit oui, et au final, là, on se retrouve pour payer, il nous dit qu'il prend pas la carte bancaire. En fait, ils ont une application sur les téléphones pour mettre de l'argent, mais on peut pas nous faire le ça. Premier distributeur, il est à combien? Il est à 4-5 km. À 20 bornes. À 20 bornes. Donc là, on est en train de demander si on peut nous emmener pour aller retirer. Et c'est quoi leur carte, là? Tu peux, après une application, leur verser de l'argent. Ah, et ben... Et comment tu fais? Ah bah j'en sais rien, non je sais pas. Il faut qu'on se fasse emmener hein. Il faut qu'on se fasse emmener. Cette galère. Et puis là, il y a tout le monde qui se greffe, tout le monde qui vient. Prends une photo de la pompe, s'il te plaît. Ouais, prends le. Bah c'est trop tard, il est en train de se servir. Non, il sert de la pompe d'à côté. Stocke le téléphone, Nico. Bon, il faut retirer au moins 100 000. Et ben, il faut qu'il nous emmène. Il faut qu'il nous emmène. Hein. Mets-moi l'appareil photo. 97. Ouais. Demande-leur s'ils peuvent nous emmener. Au moins toi. Il faut que je trouve un point de. Il faut qu'on demande à Ashren sinon. Il faut que je trouve un distributeur. Tu veux pas qu'on appelle Ashren? Crash.
Hein? Je veux pas qu'on appelle Ashren pour qu'elle arrive. Ouais, on va appeler Ashren. Ok, ok. Bon, me voilà dans la voiture d'un charmant monsieur qui m'emmène à Artachat, à un distributeur. Je vais aller retirer du cash et puis je vais régler ma dette. Hein. Mais ouais, je l'ai pourtant bien dit, hein, je sais pas 50 000 mots en russe. Karta diesel, normalement, il aurait dû me comprendre. Mais il m'a dit oui, il a dû juste comprendre qu'il avait du diesel. Et bon allez, ça fait partie de l'aventure, c'est comme ça, il n'y a rien de méchant. Je me suis déplacé, Didine elle peut travailler un petit peu. Et ben moi je fais une petite sortie et que je vais faire connaissance, allez. Bon, ça y est, j'ai retiré le cash. On peut remercier Borges. Borges. Spasibo. Dans la gueule jaune. Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Bon, ça y est, on a fait le plein d'essence. Le plein d'eau. Le plein de courses. Nous voilà partis pour le spot. Donc, du coup, on ne sait pas trop où on va. On a à peu près une demi-heure de route. Si, on sait où je sais qu'on va visiter un monastère le jour qui suit. Ouais, enfin bon voilà, mais en tout cas on n'a pas spoté sur Fortnite, on se posera quelque part où on trouvera que c'est sympa. Ah, ils ont peur, Bichette. Ouh là là, on va jamais passer Nico. Si si, je vais attendre qu'il passe là. On lui fait peur en fait. Le paysan il est pas stressé les gars. Attention parce que si elles font ça pendant qu'on passe. Ah là 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 là. Oh stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening. Donc là il est 18h30, on n'a pas mangé encore de la journée, on a grignoté vite fait. Donc là le temps il commence à se gâter, je sais même pas si on va pouvoir faire une petite grillade ce soir, je pense que ça va être c'est mort. Ah non, mais ça, si on peut pas faire. Je suis dégoûté. Si si, moi je vais en faire une là, je suis motivé là, je pense que je vais voir. Mais bon, ça pleut, alors je sais pas, on va voir. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So. On va être au top du top. Regardez ça, cette vue magnifique. On va être trop bien. T'as vu comme c'est chouette? Hein? C'est chouette? C'est génial. C'est génial. Ça va nous faire du bien, cet air frais. 360 degrés là, demain, un coup de drone. Là on voit Ararat et le petit Ararat. Ouais, et il y a la Turquie. Il y a, c'est du mauvais temps sur Ararat là. Et nous on était en bas, là où on voit tous les villes. Voilà, on trop était trop chouette. Et ben je vais mettre une petite veste quand même là. Oh, tu fais beau chaud. On va aérer le camion un coup. Non, aussi. On est à 1005 je crois. Ouais, ouais. On va regarder. Let it up, 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 let it up
stars, I'm in sync with the earth. Ten toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, light up ties in a hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, who that I survived, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, change haters on a tirade. Talking to the crip in the face, be still like I hate stuff, fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Drill spill from my lips, feel bent from the bip. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5 hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I rather give a piece of myself. Allez, après avoir passé deux bonnes nuits ici, on était trop bien au milieu de la nature. Ouais, ça se peut qu'on revienne. Ouais, on va voir, on va voir. Là, on part une demi-heure à Garni. Ouais. Il y a deux, trois choses à voir. Il y a un petit rando à faire dans un petit canyon, donc on va voir ça. Et si on trouve pas de spot pour dormir, on reviendra ici. Voilà, on verra. Pas de programme, quoi. Bon, on s'est garé dans une ruelle. On a été jusqu'au bout, mais c'est la galère, on a dû faire demi-tour. Donc du coup, on s'est garé comme ça, là, on gêne personne, c'est impeccable. Ouais, c'est allez, on va aller marcher. Avec chez nous, où t'as un parking payant. Ouais. Mais si t'as pas envie de payer, tu te gardes le long de la route. Ouais, voilà, c'est voilà, ça. C'est nickel. C'est comment tu dis Anna Dulcet net. Bye bye. Coréen. Et Nico il leur a dit bonjour en coréen, ils en pouvaient plus là. Ils en revenaient pas. C'est long. Le temple de Garni est le seul temple grec existant en Arménie. C'est un temple païen, symbole le plus connu de l'Arménie pré-chrétienne. La première structure de l'édifice a été construite par le roi Tiridate au 1er siècle de notre ère et est dédiée au dieu soleil Mitra. Lors du tremblement de terre en 1679 en Arménie, le temple s'effondre. Il sera reconstruit dans les années 1969-1975. On y va, on retourne au camion et on va au monastère. Regardez, il y a même des mariages ici avec un big drone là. Il est énorme leur drone là. Ils sont à fond. Ah. Sont à fond, regarde. Bon, normalement, pour renouveler notre forfait, on va chez Tim. Et là, ils ont un problème informatique.
Donc il nous oriente dans le magasin. Ici on a la petite borne. Hop. Et ici sur ces petites bornes, on peut payer donc son téléphone, tous les forfaits et puis tout ce qui est paris sportif, facture de téléphone, l'électricité, tout se paye ici en fait. On paye les factures sur les bornes. Donc là la dame elle est en train de nous recharger les téléphones. Donc, on sait pas faire. Illimité, 10 euros. 10 euros illimité. Ouais, ouais. 5000 grammes. Ouais, c'est le internet illimité. Mais comme nous on passe internet, tous nos coups de fil. Sans SMS, ouais. Téléphone. Nous on passe tous nos coups de fil par. Okay. Shnodagalotchun. Vous voyez là, jusqu'au 24 juillet, j'ai 500 SMS et j'ai internet illimité. Voilà. Impeccable. Je suis trop contente. C'est génial. C'est génial. Ah, il y a les voyageurs qu'on a rencontrés à Dimitrio et à Nopli. Et regardez, ils sont encore là. Excellent. On se suit. Tous les voyageurs, on se suit. C'est excellent. Hello. We follow us. Je viens de payer donc 200 pour le parking. Okay. Je pense qu'on va rester ici cette nuit après la visite. On va voir s'il y a des copains juste à côté, on va rester là cette nuit. Trop cool de rencontrer. En fait, le monde, il est vraiment petit, c'est un truc de fou. Après, on fait tous les mêmes choses. Hein. Ouais, mais bon, tu vois. Ici, l'Arménie, c'est pas riche en monuments. Hein, donc. Forcément, on croise des autres voyageurs, voilà, mais bon, voilà quoi. C'est des lieux où. Et c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, on les a vus il y a 6 mois en fait. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais, déjà 6 mois, ouais. On attaque la visite. Il y a les petits stands. Ah, c'est touristique. Hein. Ouais, c'est touristique, mais c'est artisanal. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est artisanal. C'est ça qui est cool. Donc on ne connaît pas la date exacte de la construction de ce monastère, mais en tout cas il a été avant l'ère chrétienne, parce qu'il y avait des religions autres que chrétiens, et il a été détruit 2 fois, la première fois vers l'an 1000 par les Arabes, et la deuxième fois, j'ai plus la date, par les Mongols. Donc du coup, c'est un site quand même qui est assez chargé d'histoire. Bon, c'est pour ça qu'il y a autant de touristes, hein. C'est le premier monastère qu'on fait avec autant de touristes. Thank you.
Donc quand on était à l'intérieur de la chapelle, il y avait un mariage. Donc en fait ici, c'est les vendredis qui se marient. Voilà, ils se marient le vendredi. Bah, c'est cool. Alors on pense que c'est des volleyeurs parce qu'ils sont en train de faire une haie d'honneur aux mariés avec des ballons. C'est génial. Mais je pense qu'ils vont sortir là. Ouais, on est sous la pluie là. On s'est abrité sous le premier sapin qu'on a eu. Ouais, et comme il disait Nico, on va se retrouver sur les photos. Les gens vont dire, je ne me rappelle plus, c'est quelle famille eux déjà. Ah ouais, attends, ils auraient pu s'habiller quand même. C'est génial, regarde. Ah voilà, on aura assisté à un mariage arménien, les gars. On va les laisser tranquilles maintenant. Mais tu vois, même là, les gens, ils sont venus nous voir. Vous parlez, vous êtes français. J'adore. Ils sont trop gentils, les Arméniens, vraiment. Bon, bah allez, on rentre au camion. En plus, il pleut. Je sais pas trop ce qu'on va prévoir ce soir. Est-ce qu'on dort là ou pas? Les Allemands sont aussi ce soir, donc... On va peut-être leur proposer un petit apéro. Bah, je me dis que je préfère être en pleine nature, mais bon... Là, apéro regarde, pluvieux, apéro heureux, même, quoi. Le cadre est quand même joli, même si on est sur un parking. Si lui, il reste là, bah, allez, ça donne l'occasion encore d'échanger et de rencontrer les gens. Voilà. Bon, ça arrête de prendre une petite boisson fraîche. Chacha, tu veux prendre un coca? Non, j'en prendrai un. Ok. Et puis moi, je me fais faire un petit jus de fruits frais, là. 300. Donc, ça fait... 50 centimes, donc je vais prendre. Nickel. Bon, maintenant on a fait notre petite visite. Les voisins sont restés chez eux. Ils vont y aller demain, le monastère, pour aller le voir. Et là, du coup, on est à l'apéro avec les voisins. Donc il y a Christine qui est là. Et il y a son mari Stéphane là-bas qui parle à toutes les voitures qui passent. Mais tous parlent allemand. Ils parlent tous allemand. Alors je sais pas, ça doit être encore des Allemands là, je pense, à côté. Je sais pas. Et les enfants, regardez, ils jouent ensemble. Coucou. Jacob, Émilie, coucou. Ils jouent au Lego, tu vois, ils sont à fond. Donc voilà, on va finir du coup notre petite soirée ici. On va rester ici ce soir, je pense, tranquille. De toute façon, maintenant, t'as bu une bière, donc on va rester là, on va pas reconduire derrière. Mais voilà, c'est trop cool parce qu'on arrive vraiment à tenir la conversation en anglais. Bah c'est cool, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment trop cool, on arrive vraiment à comprendre. Même s'il y a encore beaucoup de travail. C'est très laborieux, mais on arrive à se comprendre. Non, c'est pas très laborieux, on arrive à comprendre ce qu'ils nous disent, et eux aussi, je pense. On arrive à se comprendre quand même, tu vois. C'est sûr. Donc c'est cool. Bien contente, on va passer une bonne petite soirée. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais avec ta frontale, là? On est parti dans les aiguilles qui traversent la main. Les aiguilles? Tu veux la caméra? Par contre, tu fais super gaffe. Moi, j'ai la moto mon poignet. Bon, là, on va avec mes potes. On va aller s'aventurer dans les égouts qui sont juste, je vais vous montrer le chemin. Et franchement, à mon endroit, il y a plein de poubelles. Vous allez me voir en pleine galère en train de faire le grand écart. On s'aventure dans les égouts. Je vais essayer de filmer le plus possible, vous verrez sûrement rien. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir des choses. Et à la fin là, vous pourrez pas voir, mais à la fin il y a plein de poubelles. Vous allez me voir en plein grand écart. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tombé déjà. Là, on arrive au premier checkpoint. Donc regardez, on est juste au-dessus de la route. On retourne dans l'autre zone et là, regardez. C'est là qu'il faut faire le grand écart. Bon, c'est pas trop un grand écart. Ça va sûrement bouger à la caméra. Mais vous verrez, c'est pas tellement facile à passer tout ça. Moi qui vous le dis, à la fin, il y a un tout petit endroit
J'ai réussi à passer, mais de justesse. Vous verrez rien, sûrement. Mais je peux vous assurer que c'était pas facile. Okay, hop, j'arrive sur un caillou. Ah, merde. Ah, ouh, ça fait mal, ça. Et voilà. Putain, une seringue. Mais je suis en pleine galère. Oh, là. Bon, voilà les égouts d'ici. Ils sont bien, bien galères. Surtout à la fin. Au début, c'est tranquille, mais c'est à la fin que c'est dur. Donc là, je vais ramener la caméra à mes parents. Et puis voilà. On sera bon pour cette fois. Ciao! Allez, on mange dehors, on en profite qu'il fait bon, qu'il pleut pas. On mange tranquillou en amoureux, les voisins, ils font manger leurs enfants, leurs petits doudous. Et puis bah du coup, Sacha, il mange tranquillou devant sa vidéo. Et nous, avec mon amoureux, on mange dehors tranquillou. J'ai fait une bonne salade lyonnaise, regardez. Des lardons, des œufs, des croutons maison, des tomates, et c'est parti. Alors on va se régaler. Bonne soirée à tous. À demain pour une nouvelle journée et de nouvelles aventures. Bye, bye, bye. On a les voisins qui nous disent au revoir, bye bye. Ils vont aller visiter le temple qu'on a fait hier. Le temple et Corvira. Ouais. Donc voilà, ils nous disent au revoir, ils s'en vont. De toute façon, on allait se séparer dans une heure ou deux. Hein, donc, Ah nous, on allait partir, on n'allait pas rester ici. Hein. Là, il pleut, il fait trop mauvais aujourd'hui. Et ils ont la motive d'aller faire des visites. Bah franchement, chapeau. Moi, je suis en mode montage vidéo. Donc voilà, ça, c'est des journées parfaites pour bosser, ça. Bon, en tout cas, en espérant que cette vidéo, elle vous ait plu. Eh, c'est le week-end du SVA, non? Ouais, c'est le week-end du SVA. On souhaite un bon salon à tous les voyageurs, à tous les copains. Ah, un très très bon salon à vous tous. Et surtout aux ferries qui ont bien galéré avant d'y aller. On vous fait des gros bisous. C'est une grande histoire. Regardez leur vidéo, là, la dernière, elle vous explique tout ça. Et puis moi, je voulais faire un gros big up à ma petite soeur, parce que donc, Alicia, parce qu'aujourd'hui, donc c'est son mariage. Bon, bah nous, on n'a pas pu y aller, hein, parce que ça nous fait un petit peu loin. Mais en tout cas, voilà, je pense à toi, ma soeur, je t'aime et je suis sûre que tu vas être une magnifique mariée. Un gros merci à tous nos 8000 abonnés. Ouais. Parce que ça y est, ça monte, 8000 abonnés. Ouais. Et enfin, puis, il nous en manque quelques-uns, mais ça va arriver. 8000 bisous, quoi. Et puis, bah, on vous dit à la prochaine. Et demain, c'est mon anniv. Demain, c'est l'anniv de Nico, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Allez, bisous, salut, ciao, ciao. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine.